j'ai construit ce personnage il y a maintenant, c'était en 95, donc ça fait combien de temps? Ça fait 20 ans. Et c'est un personnage qui me ressemble énormément. Et je me suis inspirée de ce que j'avais vécu pour l'imaginer. Et il lui arrive maintenant quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a des enfants. Et je dis extraordinaire parce que je pense que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire dans la vie de tout le monde, dans la vie de tous les parents. C'est à la fois extrêmement banal et en même temps, c'est une révolution dans une vie d'avoir des enfants. Donc voilà, je raconte ça, cet événement mineur qui pour elle prend une importance majeure. Et en plus, elle n'était pas du tout faite pour être mère, ce personnage, Louise. Elle ne pensait pas que ça lui arriverait un jour. Et voilà. Depuis le début, elle a considérablement changé. D'abord, elle a décidé qu'elle avait fait le tour de la tristesse et de la mélancolie, qu'elle avait compris ce que c'était et qu'il était temps maintenant de laisser la place à la gaieté, d'où le titre du livre. Et puis parce qu'elle a décidé, en fait, elle a décidé de passer à la gaieté pour ses enfants, parce qu'elle pense que c'est ce qu'elle peut leur transmettre de mieux à ses enfants, la gaieté qui est au fond d'elle et que parfois elle avait tendance à oublier un petit peu. C'est pas vraiment un livre gay, c'est un livre où on rigole parfois, il y a des scènes que je trouve drôles, que j'ai pris plaisir à écrire et que je trouve très rigolotes. C'est un livre en fait que dont certaines personnes m'ont dit qu'il était assez émouvant parfois, et c'est un livre qui parle de chagrin surmonté, et c'est un livre qui est un retour à la gaieté de l'enfance. C'est-à-dire que moi, je pense que les enfants sont assez facilement gays. Enfin, quand ils ont des chagrins, ils passent très vite à autre chose. Et c'est jusque vers 10-11 ans, c'est assez... C'est comme ça, ils sont gays. Et puis, on perd cette gaieté-là au fur et à mesure qu'on ouvre les yeux sur le monde et qu'on se rend compte que le monde est plein de malheurs. Et voilà, et c'est un retour vers la gaieté de l'enfance. Et c'est un livre qui n'est pas toujours gay, mais c'est une lutte, la gaieté, c'est un combat. Donc elle finit par gagner, l'héroïne. Je ne crois pas que ce soit un accomplissement, la maternité pour elle, mais elle est en voie vers... l'héroïne est sur la route de la sérénité, je dirais, qu'il lui reste encore quelques années à parcourir avant d'atteindre cette sérénité-là. Mais... voilà, c'est ça. Mais c'est pas un accomplissement. Non, non, je crois pas. Je pense que ses enfants sont ce qu'elle a fait de mieux, ça c'est sûr, mais c'est pas un accomplissement, non. Moi, je me mets à écrire quand j'ai l'impression que je comprends plus vraiment ma vie, quand elle a plus de sens. Et là, pour le moment, c'est pas le cas. Les choses ont une cohérence. Et ça prend toujours un peu de temps. Je ne sais pas du tout quel sera le prochain livre. Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire encore.